Mesdames, Messieurs, bonjour. Et de nouveau de retour sur l'aéroport de Calais-Dunkerque, où après les tentatives avortées d'hier, eh bien cette fois-ci, je crois qu'on est parti à fond la caisse. Ça devrait se produire dans une petite vingtaine de minutes maintenant. Yves Rossi, l'homme oiseau, alias Jetman, va tenter de traverser la Manche avec une seule aile minuscule sur laquelle il a accroché 4 réacteurs. Une traversée donc qui promet d'être épique, en tout cas qui restera certainement dans l'histoire. Et cette traversée va dépendre en fait d'abord d'un largage depuis l'avion Pilatus qui se trouve derrière nous. Pour vivre cette aventure, donc ici, Gérard Felzer, le directeur du musée de l'air et de l'espace de Paris Le Bourget. Bonjour, bonsoir. Et puis Jean-Marc Collomb, donc vous êtes le pilote du Pilatus. Alors vous allez embarquer dans quelques minutes, on va vous larguer à temps pour que vous puissiez pouvoir embarquer et puis procéder au lancement.